Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir donc les fonctions Endo et Rido. Alors, oui, je sais, certaines personnes pourraient dire, euh, ok, c'est super simple et tout, soit. Bah écoutez, regardez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Sachant que nous allons voir ce qu'on appelle le Endo History et au niveau aussi Endo uh, Repeat History. Bon, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc là, cette fois-ci, vous voyez, ça va être vraiment intéressant, c'est qu'on va voir ce qu'on appelle le Endo et Rido. Alors pour cette personne, vous pourriez dire, bon ok, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste en fin de compte, si on regarde ici dans Edit, vous avez undo et Rido. OK. Mais vous allez voir que c'est un peu plus intéressant que ça. Donc là, je vais me mettre en 3 pour sélectionner par exemple que ma face. Je me mets en 1 niveau de mon PV numérique, je fais un GZ pour par exemple faire ça. Okay. Imaginons ici, je vais faire S, on va faire quelque chose comme ça. Je fais quelque chose de très rapide hein, qui n'aura pas de... C'est pas une forme, hein. là je veux juste vous montrer quelque chose. Ensuite, je vais faire encore un S, par exemple ici un extrude, encore un S, un extrude, par exemple. Et imaginons ici, je vais faire un. Alors si on regarde un petit peu, E S. On va faire quelque chose comme ça. Je me remets comme ça. J'appuie sur Z pour mettre en mode wireframe. Je fais un G Z pour descendre un peu. On va dire comme ça. E pour faire ça. Encore E pour faire ça. Vous allez voir où je veux en venir. <laughs> Vous allez vite comprendre ce que je suis en train de faire. Ok, et par exemple, je suis un ES, on va dire comme ça. Alors là, on ne voit pas trop ce qu'on fait, mais ce n'est pas très grave. Encore un ES. OK. Et encore, par exemple, un G. Avec un Z. Voilà, super. Alors regardons un petit peu maintenant ce qui se passe. Ici, donc j'ai fait une forme hein, quelconque, ça c'est pas le problème. C'est vraiment pas ça le but de la vidéo. Donc je suis en mode édition, parfait. Si je fais endo, je reviens donc de l'édition, vous voyez, de mode objet en mode édition. Parfait. Si, si je fais rideau, je reviens donc du mode euh, édition au mode objet. Normal, puisque c'est soit en avant, soit en arrière. Ce qui est très intéressant au niveau de Blender, c'est ici. Vous avez ce qu'on appelle endo history. Alors là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Même 12, tiens, c'est marrant. Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose en plus parce que... Il y a quelque chose qui me... qui, qui m'intrigue. Donc là, je vais continuer. Admettons, je vais faire quelque chose comme ça. Encore ça. Peut-être que j'en ai pas fait assez ou peut-être que j'en ai fait trop, je ne sais pas. On va voir. J'ai fait H, tant pour moi. Encore un E, voilà. Regardons maintenant au niveau Edit. J'en ai toujours combien J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, donc on s'arrête à 12 en fin fait, de compte. On n'arrive pas à aller plus loin. Si je clique ici, par exemple, vous avez vu En fin fait, de compte, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, en cliquant sur Endo History, vous avez votre œil. Et votre œil vous dit, ben bah voilà, vous pouvez revenir en arrière de 10 pas. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai pourtant marqué 10 et lui, il met 12. Bon, pourquoi pas Donc, si je clique ici, vous voyez, il me remet bien ce que j'ai fait. Donc c'était assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir en fin de compte pas sauvegarder, parce que quand vous allez enregistrer votre fichier, votre historique va être perdu. En gros, je voudrais, si vous voulez, que chaque mouvement que je fais soit euh, pris en compte au niveau de l'historique. Bah, c'est très simple, il suffit ici d'aller dans Edit, Preferences. Donc là, je vais l'agrandir, puis c'est bien voir. Ici, au niveau du système, vous voyez, c'est marqué Endo Step 10. D'accord Imaginons aussi, je vais mettre maintenant 40. Même 50, allez. Soyons fous. 50 là je laisse au niveau de la mémoire pas de problème et je fais ici save preferences je vais maintenant supprimer cet objet pour repartir de zéro donc on va prendre par exemple cette fois-ci on va prendre plutôt une icosphère ok donc là on fait ça on va prendre 3 pour celui-ci on va faire ça je fais vraiment n'importe quoi hein. il n'y a aucune logique dans ce que je vais faire hein. je vais juste vous montrer que on va pouvoir dépasser allègrement. Alors là, pourquoi il ne veut pas... Oui, alors ça ne va pas aller. Alors c'est pas grave, on va faire autrement. On va faire par exemple un cube. G, on va mettre x. J'ai x, pardon. Hop. Et on va partir du cube. On va faire comme tout à l'heure. Alors, z. Ici, on va prendre par exemple celui-là. E. Donc aussi Z, on va se mettre comme ça. Non, pardon Y, décidément. Voilà. Après, je vais sélectionner lui, je vais faire E Z, par exemple. Je fais vraiment n'importe quoi. Hein. C'est juste pour vous compreniez l'histoire des, des des histories. Là, je vais faire Z. Je vais pas y arriver. Alors G Z, faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire encore? Alors on va se mettre en mode objet, on va faire un cercle par exemple. Ici on va le mettre en mode plein. Alors nothing, on va le mettre en endgone. Voilà. Je fais un G, Y pour déplacer mon élément. Ici je vais me mettre en mode par exemple comme ça. On va faire quelque chose comme ça. E pour extruder. Hop, encore une extrude, J'extrude encore. ES, par exemple, faire quelque chose comme ça. Je vais extruder. Imaginons ici, je vais prendre celui-ci. Alors là, je vais prendre celui-ci et celui-ci, par exemple. Je fais un E pour extruder. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait pas mal de choses déjà. Bon, c'est vraiment n'importe quoi ce que j'ai fait, hein, mais c'est, vous comprenez bien. Je reviens maintenant dans Edit. Je vais dans Endo History. Et regardez ce qui s'est passé. En fin de compte, comme j'ai augmenté le nombre de pas. Le nombre de steps, hein, c'est-à-dire que le nombre de fois que vous allez pouvoir enregistrer et revenir. Si je reviens ici, add cube, vous voyez, je peux revenir en fin de compte au tout début. Alors, selon ce que vous avez défini, à mon avis, j'ai dû définir plus de 30 mouvements, j'ai dû faire plus de 30 actions, donc lui, évidemment, il s'est arrêté à un moment. Si je fais ici toggle edit, on arrive ici. Si je reviens ici, on va aller là, voilà. C'est le maximum qu'il puisse faire. Ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir euh, augmenter, selon évidemment la capacité de votre mémoire de l'ordinateur, le nombre d'historiques, c'est-à-dire le nombre de pas que vous allez enregistrer. Mais comme je vous dis, attention, lorsque vous allez enregistrer votre fichier .blend, automatiquement, votre historique bah, ne sera pas enregistré. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de ZBrush, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire carrément après des, des vidéos de tout ce que vous avez fait. C'est qu'en gros, ce qu'il fait ZBrush, c'est qu'il en, il en, il en, il enregistre pardon, pas à pas chaque élément, et après il en fait une vidéo. Bon, c'était juste pour vous expliquer ça. Regardons maintenant autre chose. Là, je vais faire un point cube. On va tout simplement le diminuer un peu. Je vais vers un Shift D. Shift D, tout simplement pour dupliquer sur l'axe X. Je fais ça. D'accord Si je fais Shift R, rappelez-vous, ça répète tout simplement la dernière action. D'accord Donc, si je prends celui-ci, je prends celui-ci, je prends celui-ci. Shift D. Je mets sur Y. Je fais ça. Shift R. Pourquoi je fais ça ben, On va regarder ici au niveau de l'édit. Donc on a vu Endo et Rido. On a vu maintenant Endo History, nos problèmes. Ici vous avez Repeat Last. Si je fais ça, vous avez vu, ça répète la dernière action, c'est-à-dire Shift R. Si maintenant je vais ici dans Repeat History, en fin de compte, vous avez un historique de tout ce que vous avez répété plusieurs fois. Donc là aussi c'est très intéressant, vous allez pouvoir par exemple revenir au niveau du Delete. Vous voyez Je peux revenir si je reviens ici. Au niveau du rival iden, enfin, vous allez pouvoir faire en fin de compte, vous avez l'historique, on va dire, au niveau de vos mouvements de Rido et Ando, mais vous avez aussi l'historique au niveau des mouvements répétés. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Voilà, c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors comme je disais, si vous avez des remarques à faire par rapport à l'Indo et le Rido, dites-le, il n'y a pas de problème. Pour la prochaine vidéo, nous verrons quelque chose de très intéressant qui s'appelle les collections. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye